Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur LRD TV. Vous le voyez, on est sur le stand sur lequel on était hier. Mais là, cette fois-ci, on est avec quelqu'un, donc tu t'appelles Sky. Comment ? Skyheart. Skyheart, ça veut dire quoi Skyheart ? C'est mon pseudo, ouais, c'est mon pseudo, ça veut rien dire, juste un... j'aime bien. Et c'est l'anagramme d'un ancien pseudo et je trouve ça joli, bah, j'avais un blaze un peu joli. C'était mon rêve de m'appeler Skyheart depuis tout petit, voilà. Alors, t'es ici, sur ce stand-là, pourquoi ? Pourquoi t'es ici ? Alors je suis là parce que, bah, en fait, avec Omen, on a décidé de faire vivre un peu une expérience aux gens. Expérience de jouer sur la scène, de jouer devant des gens, de commenter, etc. Et de les faire vibrer. Et je pense que ça a bien marché, l'ambiance était super cool. Les gens étaient très chaleureux à Toulouse, donc très contents pour l'instant en tout cas. Et je pense que pas mal le sont aussi, donc c'est cool. Parce que, alors toi tu es streamer. Alors, streamer, ça veut dire, donc pour ceux qui connaissent pas, que tu joues en même temps en direct sur internet, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis streamer, youtubeur et pas mal de petites casquettes, on va dire, mais ça veut dire que des fois quand je fais des lives, j'anime, j'essaie d'être du divertissement sur le jeu vidéo en général en support et me taper des barres et les faire partager, leur donner des explications stratégiques et pédagogiques sur les jeux et comment réfléchir pour devenir plus fort sur un jeu, quels sont les leviers sur lesquels appuyer pour progresser. Et moi je me fais kiffer et j'essaie de faire kiffer les gens parce que pour moi c'est une passion et j'ai envie de la partager simplement. Parce que toi tu étais joueur professionnel, c'est ça? T'as été joueur professionnel? J'ai été joueur professionnel, après ça me plaisait pas tant que ça. Je trouvais que c'était trop limité. Voilà. Je dirais que c'est pas vraiment ce que je voulais faire dans ma vie et trop répétitif, manque de... Moi j'aime un peu le côté de toujours vouloir apprendre plein de nouvelles choses. Et j'apprenais pas grand chose et donc du coup maintenant ce que je fais j'apprends beaucoup plus de choses, que ce soit du montage, du marketing, de la négociation, de l'animation, du divertissement, de la fiscalité, de la comptabilité. Je fais beaucoup de choses et ça me plaît grave, voilà. Et donc t'es ici sur ce stand et tu joues à un jeu qu'on t'a vu tout à l'heure, c'est quoi ce jeu là? On joue à beaucoup de jeux, ma particularité c'est que j'essaie d'être pas mauvais sur beaucoup de jeux en fait je suis très curieux et donc je dirais à une quinzaine de jeux différents connus et certains qui sont moins connus et là on a joué à Overwatch, on a joué à Counter-Strike et là on jouait surtout à Fortnite et à LOL etc. Voilà. Et au jeu que tu viens de faire, tu leur as mis une pâtée, c'est ça? Non, je dirais pas ça, juste qu'on s'est bien amusé et tout le monde a kiffé, donc c'est ce qui compte. D'accord. Et t'es souvent avec cette marque-là parce que t'es en partenariat avec eux, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, je suis représentant France pour Omen. Omen a 4 représentants, un allemand, un pour l'Allemagne, un pour l'Angleterre, un pour l'Espagne, un pour la France. Moi, je suis le français. Et après, ils sponsorisent aussi des équipes, mais c'est différent. Et du coup, je suis content. Ça me fait super plaisir et ça se passe super bien. Ça fait maintenant presque 10 mois qu'on travaille ensemble et c'est cool. Et les gens sont contents, donc si les gens sont contents et qu'on est contents l'un de l'autre, bah c'est parfait et c'est une bonne émulation et pourvu que ça dure. Et de toute façon ça se voit, hein, parce que tu joues avec eux, tu prends des photos avec eux, t'es proche d'eux et c'est ce qu'ils aiment d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, il y en a qui presque te font des câlins parce qu'ils ont joué avec toi. Justement il y a un gars qui m'a suivi depuis presque 6 ans et il m'a beaucoup regardé, donc forcément ça crée des liens. Moi aussi je crée des liens avec certains qui me suivent de beaucoup, qui sont devenus même mes vrais amis, je veux dire des amis dans la vraie vie. Et c'est trop cool et je trouve que le jeu vidéo c'est plus tout ce que c'était, c'est pas quelque chose pour les gens associables. Au contraire, je pense que c'est quelque chose, pour moi c'est quelque chose qui m'a sociabilisé à mort. Et pour moi, je suis un peu long à un truc, mais non, je trouve ça super cool. Et même l'équipe, il y a une très bonne synergie, il y a une super ambiance, personne se tire dans les pattes et ça c'est vraiment bien. Et donc à chaque fois c'est un plaisir de trouver l'équipe et apparemment c'est réciproque, donc ça me fait plaisir, voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être présent parce que tu es présent pour eux. Eh bien, merci à toi. Et on te retrouve bien sûr avec la marque Omen et avec le jeu. On te retrouve sur Internet, on marque Skyheart et on te retrouve partout, c'est ça? On me retrouve, beaucoup d'endroits. On essaye en tout cas. On essaye. Ben, merci bien. Merci bien à toi. T'allais me foutre un vent. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur LRD TV. Au revoir.